Ouais, y a de la paille. On dirait une tomate. Waouh. Bon, là. Ah, notre argent est là. Mais elle casse tout. Oh là, elle fait boum boum quand elle marche. Ah, tu viens ou tu viens pas? Que nenni. Oh, elle est méchante. Hey, coucou mes petits palmiers. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeier. Un bisou. Pour une toute nouvelle vidéo, mais bon, j'adore faire ça. J'ai l'impression d'être un oiseau rouge. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tout nouveau jeu qu'on n'a jamais fait sur ma chaîne et que vous avez été très nombreux à me demander de faire. En plus, il a un nom rigolo, mais c'est un jeu de peur. C'est Belle-mère Mamifolle. Belle-mère Mamifolle. N'importe quel. Ah, attendez, j'ai juste mon palmeier. Il veut pas tenir aujourd'hui. Bon, mais c'est pas grave, il va être comme ceci et puis c'est tout. Alors, c'est un jeu d'horreur avec une gurani, grand-mère, petite copeate, encore une feu, ouais, mais nouveau, quoi, on va faire ça. Il faut libérer notre feu rare, je crois, ouais. Bon, on va découvrir ça ensemble. Avant de commencer, j'ai quelque chose de très important à vous dire, puisque, bah, vous le savez, j'ai une boutique de produits dérivés en ligne sur Teespring, et, bah, j'ai fait de nouveaux designs pour les t-shirts, les coussins et tout. J'espère que ça va vous plaire. C'est collé que dehors et bah c'est disponible en bas là quelque part. Et je crois que Max également a changé les designs des produits de sa boutique. Délire de Max. Voilà, c'est pour vous dire ça. Ah, mais pourquoi mon palmier va m'arrêter? Oh, il tombe. Voilà, je vais devoir aller le refaire. Je vais refaire mon palmier, je le reveillant. Et voilà. Ça y est, il tient mieux. Bon, eh bien écoutez, avant de commencer à jouer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos likes et vos abonnements. Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour. Et si vous venez d'arriver, bah, bienvenue, si c'est Nadège Cornedol. Pour faire partie de la team Palmeier, c'est facile. Clique sur le bouton s'abonner, allez vas-y, ainsi que sur la cloche, allez vas-y. Active bien toutes les notifications pour être parmi les premières à recevoir mes nouvelles vidéos. Écoute bien, c'est le mercredi à midi et le samedi à 10h. Oh bah voilà. Eh bien écoutez, c'est l'heure de retrouver Belle-mère Mamifolle. Je vais m'asseoir et on va commencer à jouer. Ah ouais. Oh, on va encore. Ouh, ça y est, je suis assise. Alors le jeu s'appelle donc Belle-mère Mamifolle. Donc la mamie, elle doit être un peu fofale. Et l'histoire, je vais vous la lire. Lorsque vous avez eu 21 ans, votre père a laissé un testament dans lequel toutes les valeurs de la famille doivent être transmises à vous. Mais il y a un problème. Belle-mère, dès que votre père est décédé, la belle-mère est allée complètement fou. Les problèmes de traduction. Et a volé tout l'héritage de votre père avait légué à vous. Oh, méchante. Vous savez que sa belle-mère garde vos valeurs chez elle. Il n'y a pas de temps pour ralentir. Pour ralentir n'importe quoi. Allez-y et renvoyez tout ce qui vous revient de droit. Mais fais attention, une fois que ta belle-mère te voit, tu es morte. Ah, ici commence le jeu de survie. Bon, bah, ça a l'air de rouler en même temps très effrayant. Eh bien, écoutez, ça se passe sur téléphone. On va y aller, on va jouer. Toi, tu lâches ton énorme pouce bleu à l'air ici. Oh, waouh, ça y est, on est dans l'écran d'accueil. Le jeu s'appelle tout simplement Belle-mère. Ouais. On la voit au-dessus de l'escalier. Ah, c'est elle avec sa poêle. Elle va nous frapper avec sa poêle pour faire des œufs. Ah, ça a l'air rigolo. Enfin, non, effrayant, mais rigolo. Ah, alors, la difficulté. Bah, comme dans tous les jeux comme ceci, on va mettre en mode facile. Parce que je connais pas, on va découvrir. Dans les options. Bah, y'a rien. Mot impoli. Ah, n'importe que quoi. Allez, oh non. On va retirer les mots impolis. Comme ceci, elle va bien parler, la belle maman. Allez, mais écoutez, joue-oué. Quand je me suis tourné 21, je comprends rien. La belle-mère est devenue folle et a volé toutes les valeurs familiales que mon père m'avait léguées. J'ai besoin de tout retourner ce qui m'appartient. Ok, mais t'as besoin surtout d'un bon dictionnaire. Bon, waouh, c'est plutôt joli. Bah, pourquoi il y a de la paille? Elle fait de l'agriculture ou quoi, la belle maman? Oh, il y a une petite cabane ici. Waouh.
jolie petite cabane. Il y a des ciseaux, il y a une boîte, un peu la carte. Bon, je sais pas pourquoi il y a les ciseaux là. On va les prendre parce que peut-être que ça va servir, on sait jamais. Alors, oh, c'est quoi? Une pomme! Enfin, on dirait une tomate. Non, je vais préférer les ciseaux. Alors ça, c'est la maison. Waouh, elle est belle. Enfin, c'est plutôt joli, hein. Faut dire que là, moi, je trouve ça plutôt joli. Allez, on y va. On va rentrer. Enfin, la musique, elle fait peur. Allez, on rentre. Quoi? Mais non. Mais je veux pas jeter ça. Ah, voilà. Ah, chère, je me... Oh, waouh. C'est plutôt joli, c'est vert et tout, Ah, déjà? Mais elle est méchante! Belle-mère, vous êtes tuée! Bon, là, bon, c'est pas grave. Là, on sait que dès qu'on rentre à la maison, faut vite s'en aller. Bon, on récupère les ciseaux ou encore une feuille. Allez, merci, c'est pas utile. Alors, pardon, c'est le rototo de la peur parce que j'ai crié hier à cause de la belle... Oh! Une pomme rouge, une pomme verte. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce que c'est que ces tableaux? Ça fait peur. On peut... Ouais, on peut ouvrir. Elle est déjà là. Ah! Ah! Elle fait peur. Bah pourquoi il y a un papillon? Oh là, en plus il y a des trucs qui font du bruit. Bon, on va aller à l'étage. En espérant qu'elle ne nous suive pas. Et... Ah! Notre argent est là. Notre argent. Bah, je vais couper ça. Je peux pas couper ça. Ah non! Récupère ça! Ah! Ouvre la porte! Là, y'a rien! Et où? Ah là là! Vite! Je vais me cacher dans le placard! Dépêche-toi! Oui! C'est quoi tous ces bruits? Oh là, elle est là! Regardez! Elle fait. Mais elle casse tout! Mais arrête, c'est chez toi, ça sert à rien! Elle a une drôle de coupe de cheveux. Elle peut pas se faire un palmeier. Ah! Bon. Voilà, on sort. Oh, le tableau, il fait peur. Alors, elle a laissé tomber ceci. Nous, on va aller là. Oh, un tireboire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, y a rien. Oh! Elle arrive! Oh là, elle fait boum boum quand elle marche. Ça fait trop peur. Ah! J'ai bien fait de me cacher. Ça fait peur quand même. Je suis pas là. Elle a dit where are you? Ça veut dire t'es où? Je suis pas là. Voilà. Va-t'en avec ta poêle à feu rire. Ah ah, elle est rigolote. Elle descend là, c'est ça les bruits boum boum? Mais pourquoi elle marche comme si elle avait de la purée dans la gorge? Ah non, elle est rigolote quand même. Bon, elle fait peur. Bon. Non, je suis cachée. La tête avec sa peu mal. Mais elle est en mode facile et elle est difficile. Oh non, bon. On y retourne. Je vais pas prendre les ciseaux cette fois. On va aller explorer les autres pièces qu'il y a en haut. Allez, voilà, tu montes. Merci. Alors, là on n'a pas été. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais ouvre. On n'a rien, là on n'a rien. Ah, c'est quoi? On dirait un truc pour couper le beurre. N'importe quoi. Un pot. Je peux prendre le pot? Non, je peux pas prendre le pot. Ah non! Mais elle est difficile. Elle vient tout de suite me voir. Elle veut des câlins ou quoi? Oh là, bon, on recommence. Bon, on va récupérer le truc pour couper. Je sais pas quoi. Oh, peut-être pour couper. Bah non. Bah alors, à quoi ça sert le truc pour couper? Oh, c'est pas possible. Il est là, normalement, voilà. Alors, est-ce que avec celle-ci, je peux couper quelque chose là-bas? Alors, ici, par exemple, est-ce que je peux couper ceci? Je peux... Ah! Non! Et ça, je peux couper? Non. Ah! Arrête de jeter, ça fait du bruit. Oui, après, elle arrive. Bah, d'ailleurs, elle arrive. Vite, cache-toi ici. Voilà, on est caché sous le lit. On fait pas de bruit sur toi. Bon allez, va-t'en. En plus, ta robe elle a des taches, hein. Tu connais pas la machine à laver, hein, belle maman, belle mamie folle. Bon, à quoi ça sert cette scie là? Bonjour, au revoir. Elle nous a pas vu. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque
quelque chose ici. Là, y a rien à faire. Là, y a rien à faire. Ici. Là, y a quoi? Y a rien. Y a rien. Mais y a rien à faire avec cette scie. Faut peut-être ressortir. Allez, on ressort. Ah non, je peux pas ressortir. Alors je vais me cacher là. Voilà. J'adore me cacher dans le placard et tout. Alors, tu viens ou tu viens pas? Elle a pas l'air de vouloir venir. Je vais ressortir parce que peut-être qu'il faut s'en servir dans la petite cabane de la maison au bout du jardin de cet outil. Bon, on sort. On y va. Je sais pas où elle est. Nous, on y va, hein, bye bye. On sort. Bye. Voilà. Elle va venir ou pas dehors? Pour l'instant, elle a pas l'air de venir. Ah non, elle nous suit jusque dehors. Oh là. Est-ce que ça peut servir pour ça? Non. Non. Je me cache là. Cache-toi là. Je suis pas là. Non, 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 que nanny. Bon, mais arrête. Je te dis que je suis pas là. Elle fait boum boum. Elle porte des talons. À 20 ans. Boum, boum, boum. Oh, t'en fais du bruit. T'es pas très discrète, hein. Bon. Allez, on attend encore 3, 2, 1, on sort. Mais alors, à quoi ça peut bien servir? Oh, il y a un outil en haut. Comment? Faut que je fasse tomber ça. Comment je peux faire tomber ceci? Mais à quoi ça sert, cette scie? C'est bizarre. Elle est où? Elle est rentrée chez elle? Bah tant mieux, comme ça nous aussi on va rentrer. Oh, elle est là-bas. Ah, qu'est-ce qu'elle fait dans le jardin avec sa poêle? Elle est rigolote. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Ah, c'est quoi ça? Je peux prendre ça? Bah, non! Arrête! Je peux pas jeter le pot sur elle? Ou le casser? Peut-être qu'il y a quelque chose dedans? Non? Prends-le. Elle est où? Elle est là! Non! Va-t'en! Et hop là! Bon, il y a quoi ici? Ah! Ça! Je récupère ça! Ça, c'est peut-être pour casser dans le jardin, justement. Allez, on y va! On sort! On va récupérer un truc là-bas. Ouais, on avance, mes petits palmiers. Alors, peut-être qu'il faut casser ça avec ça. Oh ouais! Regardez! Crac, crac! Ouais! J'ai récupéré la pince. Hop là, merci. Oh là! Mais t'arrêtes! Non, je vais pas venir avec toi. Je vais couper les fils en haut. Oh, c'est pas possible. Merci, mais non, merci, hein. Hop, on y va. Voilà. Allez, on coupe les fils. Ouais. Alors maintenant, vous trouvez une queue-lée. Oh là, elle va venir. Je peux me cacher là? Oh non, je peux pas me cacher là. Ferme la porte. Ne viens pas. Non. Oh, elle est méchante. Elle est vilaine, elle est pas belle. Oh, faut recommencer. Foulala, imagine, faut tout recommencer. Oh, bon, on va pas faire pour l'instant le truc qu'on a fait. On va plutôt voir où se cache la queue-lée. Pour ceci, on va explorer en bas maintenant. Alors ici, ça, je peux le prendre et le jeter. Mais non, il n'y a rien du tout. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ah, elle est là! Au secours! Papa! Oh! Il y a une voiture! Mais n'importe quoi, quoi ça sert? Je peux rien faire avec celle-ci? Ah! Mais pourquoi faire la voiture? Je veux m'en aller avec la voiture? Bon, ici, il y a quoi? Il y a rien, il y a rien. Là, il y a rien. Mais elle est où? Pourquoi elle me suit? Ouvre ceci. Elle est où la queue-lée? Moi, je veux la queue-lée. Elle est où la queue-lée? Oh, des ciseaux, m'en fiche. Non, je veux la queue-lée. Laisse-moi attraper la queue-lée. Oh, il y a un truc en bas. Attendez. Ah, oh, mais j'ai pas le temps, moi. Je veux la queue-lée. Elle est où la queue-lée? Ici, il y a quoi? Rien? Bon, je me cache. Ah, oh, mais c'est pas possible, j'ai pas le temps avec celle-ci. Ah, elle est m'arrêtée. Bon, ben, on y va. Bye bye. Ah, allez, on l'a contournée, la belle mère mamie folle. Bon, oh là, j'ai fait du bruit. Là, il y a quoi? Là, il y a rien, rien. On peut rien faire dans la cuisine. Il y a rien, il y a rien. Ici, il y a rien. Oh, mais ça sert vraiment à rien, ces endroits bas.
Et où? Elle va venir par là. Ah non. Le tableau, il peut pas tomber, y a pas de cachette secrète. Par là, y a rien ici. Je peux juste... Oui. Ah, je vais aller voir sous l'escalier ce qu'il y a. On y va, on fait le tour par ici comme ceci. Bah, c'est quoi? Une orange. Ah ok, d'accord. Ici, y a quoi? Waouh, y a un sous-sol. Oh, un cadenas. Et ça, c'est un carreton. Ok. Oh. Ah, faut scier quelque chose ici. D'accord, je vais récupérer la scie. Ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, non. Bon, c'est pas grave parce que maintenant, au moins, je sais comment on fait. Alors, on va récupérer la scie et ensuite, on va aller au sous-sol couper pour aller dans la partie du sous-sol qu'on ne connaît pas encore. Allez, c'est parti, on se dépêche. Hop là, tu rentres par ici, tu vas chercher la scie. Alors, elle est par là, voilà. Merci. Hop. Alors, elle va monter ou pas? Oh, mais elle est pas possible, celle-ci. On peut pas, hein. Foulalalalala. Bon, allez. Oui, arrête de casser ta lampe. Ça sert à rien de t'énerver, la violence ne résout rien, belle-mère mamie folle. Elle s'en va, hein. Petite musique de stress, mais nous, on garde la tête froide et le panier froid aussi. Oh là! Mais c'est pas possible! Non, je viens pas, je me cache! Et toi, t'as pas intérêt à venir! Oh non! Laisse-moi tranquille! Fou! Bon, elle m'a fermé la porte au nez, mais elle est sérieuse! Bon alors, elle est méchante, celle-ci! Bon alors, comment on fait pour descendre? Bon là, elle descend. Donc, on y va. Doucement. On ouvre ceci. Oh là! Mais c'est pas possible! Elle est vraiment méchante! Oh, mais on n'a pas que ça! Vite, je peux le mettre ma... Oh. Vite! Ouais, c'est ça! Ouais, on a la voie libre! Blablabli, blablou! En fait, ça fait du bruit, oui. Mais bon, tant pis. Allez, casse ceci. Ouais! Allez, merci! Alors, est-ce qu'il y a... C'est pour quoi faire ceci? Et pourquoi il y a ça? Ah! Je sais pas à quoi ça sert. Faut mettre un objet. Peut-être le pot. Peut-être le pot et ça casse le pot. On va essayer de mettre le pot dans ce truc qui sert. Mais en attendant, faut attendre. Parce que là, elle va venir. Where are you? Je suis pas là. Je suis caché. Allez. Bah, attends. Elle aussi, voilà. Oh là là. I know where you are. Non, tu ne sais pas où je suis, sinon tu m'aurais attrapé. I know where you are. N'importe que, moi, celle-ci. Bon. Qu'est-ce qu'il faut bien mettre ici? C'est fait pour serrer quelque chose. Elle revient? Elle m'entend m'arracher ou quoi? Non, c'est bon. Alors, on monte. On va chercher le pot. Si on peut. Oh! Mais c'est pas possible! Mais c'est trop dur. Oh là là. Bon, j'attends. Me cache. Where are you? Je suis pas là. Moi? Enfin, si, je suis là, mais je suis pas là pour elle. Allez. Elle monte, là? Elle monte. Elle, elle fait pas les deux lignes de ligne. Ah, bravo. Elle est pas retire. Où elle vient? Je sais jamais avec ces bruits de pas. On va dire qu'elle est pas retire. Alors on monte et on va chercher le pot dans la... dans le salon. Voilà. Et où? On va prendre ce pot. Allez là. Non. Oh, y a un truc ici. Y a un truc, peut-être qu'il faut un tour au neveuille. Bon, attendez, je vais essayer ce pot. Surtout, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Tant pis, je me cache ici. Y a un truc, faut mettre de... Y a de l'eau et tout. À quoi ça sert aussi, ça? Bizarre. Bon. Elle va venir. Et nous? On y va. Bye. On l'a bien
Manu, la petite coquinette. Allez, on va aller explorer un peu par tout. Par là, on va ouvrir les tiroirs. Là, bah, des ciseaux. Alors attendez, peut-être qu'il faut mettre les ciseaux dans la machine en bas là. On va essayer ceci. Elle va venir par où? Par là. Allez, on y retourne, on va en bas. On va essayer de voir si c'est pas les ciseaux qu'il faut mettre dans le petit truc. Oh là, je fais plein. Et ça? Non, c'est pas ça. Allez, on y va. On va essayer les ciseaux. J'espère que c'est ceci. Allez. Non, c'est pas ceci. Et là, il y a quoi à faire? Il y a rien à faire. Oh, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. Et je sais pas quoi faire. On va continuer à explorer, c'est pas grave. J'ai fait du bruit là-bas, donc normalement on va aller voir là-bas et je vais pouvoir m'en aller. Allez, allez. Elle est en haut, elle est pas venue. Très bien. Et si je prends le pot et je mets là? Non, ça fait rien. Bon, ok. Elle veut pas, hein, on va pas la forcer. Elle est là ou pas? Vite. Voilà, voilà. Hop là. Ici. Y'a rien. Par là. Ah! Elle est juste là. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Là, y'a quoi? Y'a rien. Ça, on peut pas l'ouvrir. Ça non plus. Là non plus. Bon, bah, on l'enferme. Hein. Mère aussi, mais non, mère aussi. J'ai pas le temps pour toi. Ici. Y'a rien, y'a rien. Ici, y'a rien. On y va. Par là, y'a rien. Mais y'a rien! Je sais pas quoi faire, moi! Non, je viendrai pas te voir! T'es trop vilaine, trop méchante! Tu me dis pas ce qu'il faut faire et moi, je galère! Oh! Le pot, pourquoi celui-ci on peut pas le prendre alors que l'autre on peut le rendre? C'est quand même bizarre! Oh, y'a un truc là! Y'a quoi? Y'a rien, bah voilà! Y'a rien, y'a rien, ici y'a rien, y'a rien! Là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien! Oh! Non! Laisse-moi tranquille. Oh non! Oh là 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 là! Bon, j'essaie de voir ce qu'il faut faire et je vous reprends. Voilà. Fou là là, vous savez quoi? Moi, je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Bon bah, je compte sur vous, mes petits palmiers. Donc, j'arrête là. Voilà. Fou là là, mais c'est vraiment trop compliqué. Moi, je sais pas quoi faire. Je trouve pas les objets et tout. Il y a un truc en bas, je sais pas à quoi ça sert et tout. Donc, bah, moi, je compte sur vous. J'ai besoin de votre aide, mes petits palmiers. Donnez-moi des indices dans les commentaires pour que je puisse avancer dans Belle Mère, Mamie Folle. Bien sûr, si ça vous a plu, laissez plein de pouces bleus. Abonnez-vous et va partager cette vidéo à moi, l'un de vos amis, pour faire grandir la team palmiers. Merci. Bisous, mes petits palmiers. Mouah, mouah. Bye bye.